Bonjour les cyclistes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Véloscopie et aujourd'hui on va répondre à la question « Savez-vous planter des mèches ?» Allez, tous avec moi. « Savez-vous planter des mèches dans vos pneus ? Dans vos pneus ? Savez-vous planter des mèches dans vos pneus tubeless ?» Allez, je vous emmène dans les bois sur le terrain avec des copains, enfin dans les bois, dans les vignes plus exactement, pour vous montrer comment on plante des mèches. Bon ben mode tuto mèche. Non, tu veux montrer le... Je sais pas si on voit là, il y a double trou là. Mets un peu de bave pour que ça bulle. Voilà. Bon, des petites, ça devrait suffire, non? Pas sûr. Alors normalement, déjà... Ouais. Là, il y a double trou, enfin, il y a double peine en fait. Oui, c'est une morsure. Sûr. Ouais. Enfin, j'étais parti sur le sport canin. Enfin, mais là, t'as fait quoi en fait? Rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Okay. Ensuite, grosse ou petite? Moi, je prêterai pas. Hein. Moi, j'y vais direct. Ah, tu vas direct? Ouais, mais toi, tu mets des brindilles. Ah, ouais, non, mais toi, t'es un homme des bois. Mais toi, t'as la technique avec la branche de bois, non? Ouais, mais regarde, je vais trouver une petite brindille. Non, mais ça va aller, il faut juste que. Ah, mais il y a une crevaison, oui, pour moi. Tu fais quoi? Tu tournes? Tu laisses, non? Tu laisses. Bah, tu peux couper. Tu peux couper après. Après, c'est sur le côté là. Sur le côté, c'est pas, ça craint rien. Par contre, je me demande si je peux en mettre deux. Si, en fait. Si, il faut que tu en mettes deux parce qu'il y a la petite à côté. Ah ouais? La double peinée. Bah, j'en ai mis un gros. Bah là, oui, là on y est. On coupera ça au montage. Hein. Ah non, ça faut laisser ça. Ah oui. Voilà. Puis notre côté. Ça fait un remue. Ah oui. Ah bah oui. Ah non, c'est pas une double, c'est une à côté. Après, ouais, tu peux utiliser ça pour, pour pré-trouer un peu. C'est ce que j'avais fait, mais... Parce que le trou n'étant pas assez gros, non, voilà, on grossit un peu. Un tout petit peu pour que ça passe bien. Ouais. Et après, bah, tu, avec l'espèce d'épingle... Parce qu'on croit que ça rentrera jamais, mais ça rentre. Ah ben. Non, mais des fois, il faut forcer un peu, mais... Non, mais blague à part, ça vous est jamais arrivé de vous retrouver face à des trucs où ça rentre pas? Il est gentil, du coup, ça c'est moins drôle. Ah oui, ça, il va falloir... Ah, ça va être moins bien, ça. Ouais. Ah putain! Ah merde, il a déclaqué. Ouais, ça va être moins bien ça. Par contre, j'ai une grosse cartouche. Ouais, c'est plus bien ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Grosse cartouche, on parle toujours de. Une cartouche de CO2. Ouais. Une cartouche de CO2. Hein, parce que... pas de ça chez moi. Ouh là là. Alors là, s'il y en a bien un qui rigole pas avec ce genre de truc là, c'est bien moi. Putain, hein. Je vous jure. Ouais. Vite, bon, on se casse, il y a les chiens qui arrivent. Vas-y. T'es bien là. C'est un peu sportif après. Par contre, comme je l'ai. Il est sorti de son. Ah, ça a claqué. Ça a claqué. Tu l'as pas. Tu veux contrôler à la pompe? Mais non, parce qu'en fait, il s'est colmaté. En fait, est-ce que j'en mets un dedans maintenant? Non, mais en fait, ce qu'il mérite, c'est peut-être de faire tourner la roue histoire que le préventif il se foute un peu là. Ou alors, non, mais en fait, on le met juste à la verticale, un peu penché, comme ça il viendra. Et ben vas-y, pour le tuto, on va cramer la cartouche. On crame la cartouche? Après, j'ai pas de gants, parce que là j'ai ah oui, faut pas se garder les mains. Bon, ça va, t'as les mains propres. Ah oui. Non, mais moi j'ai les mains crades maintenant, donc. Merde. Un quoi? Un percuteur? Sinon j'en mets un autre là. Percuteur, j'en ai un moi. Putain, mais heureusement qu'on est 18 hein, pour faire cette réparation. Bon, en gros, si vous êtes tout seul, appelez le 15. Bon, bah voilà, tuto, ça y est, tout le monde est au point maintenant pour faire. Et bien voilà les amis, vous savez maintenant comment on plante des mèches dans un pneu tubeless. Opération qu'on ne fait quasiment jamais, donc à chaque fois, moi j'ai toujours l'impression d'être en apprentissage. Et je vais vous faire comme ça toute l'année, une petite série de tutos dans les bois, comment on bricole son vélo quand on est au fond de la forêt, sur le terrain, simplement avec un multitool. Mais d'ici là, je vous emmène jeudi à nouveau à l'atelier, on va retrouver Mathias que vous avez connu, pour le montage du groupe Campagnolo Écart. Cette fois-ci, ce sera pour monter le groupe Shimano GRX 600 monoplateau sur un gravel dédié aux femmes, le modèle Windspace G2. Et j'ai hâte de vous faire découvrir ce montage. D'ici là, abonnez-vous, pensez à mettre des commentaires, à lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à jeudi, roulez bien, profitez-en. Bonne semaine de gravel, ciao.